Jésus avait donné spécifiquement à Pierre les clés du royaume. Ces clés du royaume débloquaient le royaume dans la vie des gens, débloquaient les cas les plus difficiles d'oppression démoniaque. Tous étaient guéris, tous étaient délivrés. On voit ceci se produire quand Pierre servait les gens. Pourquoi? Parce qu'il avait les clés. Une autre façon d'appeler les clés, tu peux dire les révélations. Pierre débloquait les gens personnellement en les servant. Des fois, cela paraissait comme les gens qui venaient sous son ombre. Des fois, c'était des temps de prière personnelle. Et ensuite, Pierre relâchait ses clés à ses disciples en les enseignant. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Ça, c'est comment débloquer cette personne de ce cas démoniaque sévère. Ça fait partie de l'équipement des cinq ministères. C'est le relâchement des clés du royaume pour toi que tu n'as pas encore. Les révélations plus profondes dans le monde spirituel, de comment voir toute personne être libérée, pas juste quelques-uns, pas juste les cas mineurs. Ça, c'est la vérité. Si nous ne voyons pas que tous sont libres, cela signifie qu'il y a des cas démoniaques plus profonds. Cela signifie que nous manquons les clés exactes du royaume que Pierre avait. Nous manquons les révélations pour les cas démoniaques plus profonds. Et le corps de Christ doit être humble et réaliser, Seigneur, nous avons besoin des clés du royaume. Nous avons besoin de plus de révélations. Je ne veux pas ignorer cette pauvre personne dans cette oppression sévère. Corps de Christ, il y a beaucoup de révélations dont nous avons besoin pour chasser ces princes de démons. Donc tu dois t'attendre à de nouveaux types de révélations.